Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie qui est la 16e sur le let's play de Super Smash Bros Ultimate. J'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas ça va déjà mieux parce que après avoir beaucoup ragé face à The Boss auquel vous avez vu que la plupart du combat c'était en accélération rapide parce que le match était long, voilà. Et donc aujourd'hui je serai accompagné de certains mondes, donc déjà Quentin qui est là. Et puis il y a Maïka qui est en mode silence. Et puis là il y a tout juste Megesh qui a tout juste rejoint. Il y a Megesh qui a tout juste rejoint, voilà. J'adore ce côté. Ah, le karma. Voilà. Donc là on va continuer à avancer. Bon, pour le moment cette barrière là je peux pas y accéder. Par où on va continuer notre avancée? Tiens, on va aller là-haut. Tiens, il y a Buzz qui est là. Ce que je vais faire, mais avant toute chose, c'est que je vais aller voir mes activités parce que... Ouais, il y a des trucs déjà dans le salon de sport auquel... Ouais, tous mes personnages ont fini par monter niveau 99. Donc, je vais reprendre tout ce beau monde. Et vu que je sais que j'ai deux personnages que j'ai, c'est-à-dire Groudon et Chun-Li qui vont évoluer, donc je vais pouvoir aller les faire évoluer. Alors ensuite, on va aller voir Toadette pour voir les récompenses d'Héroïne que j'ai récupérées. Et je gagne 570 points d'esprit. Je gagne que ça, putain. C'est pas folichon, moi. En même temps, ça dure que 2 heures. Quant à l'expédition de la grotte de Charlie, on va voir un petit peu ce qu'il va nous donner. Alors, pour l'expédition, on gagnera Pangoldus, objet désactivé, esprit de soutien, renouvellement, remplissage, donc tout plein des trucs qui vont être utiles si on fait le tableau des esprits. En tous les cas, ce qu'on sait, c'est que tout ce qu'on gagne par Charlie, c'est via le tableau des esprits. Voilà, donc on va aller dans gestionnaire des esprits pour aller voir nos deux compères qui vont aller... bientôt évoluer, donc Groudon, on va le faire évoluer. Enfin, qui va utiliser sa version primale. Voilà, Primo Groudon, vétéran, qui résiste au feu et aux explosions. C'est plutôt bien, hein. Et enfin, l'autre, c'est Chun-Li, qu'il faut que je la retrouve. Attends, on va faire par rangée de niveau, comme ça, on regarde. Voilà. On va faire évoluer Chun-Li. Oh putain, Buzz, t'es là. Et donc là, on a Chun-Li en vétéran. Hein, et qui a en plus en attaque physique. De niveau 3. Ok. De 3 étoiles. Mais bon, ça sert à rien parce que en ce moment, niveau 4 étoiles en grab, j'ai déjà Bison et puis The Boss. Non, mais Bison est plus puissant normalement. Ouais. Ness, à la boutique, j'ai l'électroplanton. D'accord. Parce que bon, après, ça dépend soit Bison ou The Boss qui est le plus fort. Bon, après, je sais qu'en attaque, j'ai 0 Sabre Z en 4 étoiles qui est puissant. Et donc, on va changer de combattant pour cette partie. Maness, au juste, pour monter les esprits de niveau, c'est les dojos, c'est bien ça, hein. Ouais, d'abord, faut que tu le montes d'abord niveau 99 et après, tu le fais évoluer et redescend niveau 1. Non, mais moi je parle juste pour les montées de niveau, je veux dire. Niveau, Pour monter de niveau, il faut que tu prennes des encas. Non, mais à part les encas. Oui, tu peux aller à la salle des sports pour les entraîner. Ouais. Et en général, tu les laisses là-bas, genre pendant une nuit, et puis c'est bon, ils ont évolué. Ouais, mais c'est pas les dojos, on est bien d'accord. Non, c'est pas les dojos, c'est les salles d'entraînement. Okay. Alors... Et c'est où la première que tu la trouves? Je sais qu'il y en a un à. Juste en dessous d'Illumis, là dans la ville, avec où il y a les jeux vidéo et tout. Ok, c'est le docteur Louis. Tiens, en parlant de docteur, on va jouer un petit peu docteur Mario, tiens, pour une fois. Ah non, moi, merci Maness, parce que j'y suis, donc voilà. Moi j'avais une autre salle, mais après faut la débloquer, donc. Ouais. Bon, alors, au passage, bonjour Toupou de rejoindre cette vidéo, comme d'habitude. Et donc là, on va affronter ces petits cocos. Bon, je vais prendre Erika pour ça, parce que bon,
il le faut bien. On va s'équiper de quoi Le mieux c'est d'utiliser des attaques aériennes et équiper de sauts supplémentaires avec OO. Et au passage, Topo, peux-tu baisser le son, ah, ton son vois, parce que vu qu'on t'entend voilà. À chaque fois ce qui se passe derrière, comme d'habitude. Là voilà. Ah oh, bah. Ah bah tiens. Mais attends, le savon 100% essentiel. Ah d'accord, ils ont pas 100%. Oh putain, ils sont minuscules. On va sortir le petit KLDO, boosté aux hormones. C'était rapide. Dégâts initiaux 30%. Oh ouais, le truc qui est complètement useless, buzz. Ouais, d'accord, le mec a sorti son Mi Boxer Maskas. Bon, chacun son boy, je vais te dire. Mais... Mm-hmm. Je fais un peu dans ligne en attendant. Ouais, 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 fais du online. Ouais, voilà, créa main qui est super. J'aurais bien affronté Quentin, mais bon, si, tant qu'il a pas débloqué son main, c'est pas drôle. c'est drôle, créa main. Créa main, il vient. Il me dit, tiens, je te bloque la route. Non, j'ai Bomberman, je casse le rocher. Fuck you. Oh, bitch. Ah, j'ai mon perso, j'ai des one, mon perso. Tiens, je vais mettre le bouclier guérisseur si j'arrive à faire des. J'ai débloqué ton main. Des boucliers parfaits. Ah, ouais, dès que j'ai eu le jeu, je l'ai débloqué. Ah. Alors. Disons que j'ai rush le plastique pour l'avoir, on va dire. Je vois où est-ce que ce tuyau m'emmène. Je pensais que t'étais farming spirit. Ça aurait été drôle. Ah, d'accord, ça m'emmène là. Donc on claire ce tuyau là. Tu me prends pour qui, Omega Edge? De quoi? Donc on claire ce tuyau là ne servait absolument à rien, donc pas de soucis. Oh, tiens, le Mario Tennis. Je comprends pas, il y a la télé Topo qui parle plus fort que toi. Ouais, parce que Topo, à chaque fois, il aime mettre sa télé plus fort que d'habitude. Non, c'est mes parents, ma mère est un peu sourde. Bah, il essaie de trouver un moyen pour éviter qu'on l'entende. Je ne peux pas, ça va les débouger sinon si je peux. Alors, dans ce cas, tu coupes ton son. Voilà. Oui. Mais... Parce que bon, les gens n'ont pas envie de trop entendre ce qui se passe derrière ton écran aussi. Et de m'entendre tout court aussi. Oh bah salut. On a pas dit ça. D'accord. Ok, d'accord. C'était Toupou, voilà. Hein, pouce bleu si toi aussi tu penses que Toupou est en PLS actuellement. Non mais bah, c'est surtout que Toupou il a toujours pas le jeu en fait. Il a toujours pas Smash Ultimate en fait. Ah mais c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'ils sont exclus parce que juste quand on lui demande de baisser son ton et du coup il pense que c'est ça. C'est gênant, enfin c'est sa présence pardon qui gêne alors que pas du tout, c'est juste voilà. Ça vole. La télé qui m'ont voir. Au revoir Mario, c'est sympa de vous voir. Du coup, que disais-tu Quentin? Parce que j'avais pas compris. Ben, je dis rien en fait. Non, tout à l'heure. Quand t'as voulu dire quelque chose, Quentin, quand que la télé t'a empêché de parler. Ah bah je fais. Hop là, un coup de tête et en bas. Day one, c'est tout. Voilà. Ouais, mais c'était plus marrant de le farmer en mode spirit. Ils ont 5% de chance de causer beaucoup de dégâts. Oh, alors, intéressant. Bah pourquoi pas? Moi je vois pas le problème. Moi j'ai pas. Le Mario Tennis augmente 5% de chance d'infliger. J'ai plus de dégâts. Bah alors Zelda, on se fait fouetter. Alors, dans ce coffre, qu'est-ce que j'ai? Oh. La casquette chomp. Ok. Ah tiens, par là on n'a pas été. Sereine. Donc là, on va rechanger. On va prendre notre cher bison. Parce que voilà. Non, on va pas utiliser fait pour Mario. Pour les spirites secondaires, essaye des fois de spammer Y pour voir ce qu'il propose. Ouais, des fois. Il propose des trucs automatiques. Oui, après ça dépend. Des fois, ça peut être sympa. Est-ce qu'il facilite projection, attaque spéciale du bas? Ouais. Ok, je suis en équipe avec Zelda, d'accord. Ouais, j'ai trop fouetté tout à l'heure, du coup maintenant je suis en équipe avec elle. Après, il... en appuyant sur le truc automatique, il prend en général ce qui est le mieux conseillé en fait. Oui, c'est ça. Comme ça au moins tu vois, de 1 tu te casses pas la tête et de 2 des fois. Ouais, bon, j'avais déjà testé ça une fois. Mais c'est vachement bien quand même, hein. Malgré que ce soit un peu random parce que bah, il prend des fois des trucs qui n'ont rien à voir. Mais des fois ça peut être sympa. Boum! Après ça dépend des spirites que t'as. Moi il me prend des fois des trucs random mais. Ils ont en effet stylé mais disons que voilà, c'est pas ce que je recherche en premier quoi. Hop là. Mais le problème c'est que si je spoil l'effet du spirit, voilà quoi. Ouais mais au point. Pas kiffé. Ah putain.
Oh, t'as fini de voler à chaque fois de faire ton... Simon air, ton airwind. Voilà. Tiens, bon, allez, vole. J'arrive pas. Au revoir. Bon, bah, du coup. Ouais, alors, augmente un peu l'attaque, les attaques magiques telles que celle de Zelda et Darren. Par contre, juste avant, tu permets que j'affronte duo Duncan, s'il te plaît, juste avant. Oui, non, mais t'inquiète, moi je suis en match en ligne. T'es dans la forêt, tu vas me rejoindre. Non, non, je m'affronte en machin là. D'accord. La silhouette est apparue. Ok, oui. Alors, on affronte. Capoeira, ouais. Capoeira, le hibou. Bon, par contre, ils mettent écran inversé, donc là, on va changer en truc. Bon, écran inversé, tu veux juste faire du haut bas, c'est marrant. Moi, j'ai mis la reine parasite. J'ai mis la reine parasite comme ça, au moins, je suis peinard. Et j'ai pas pris de l'attaque, j'ai pris de la projection telle que l'autre. Je suis un peu con. Allez, bon. Ah, ça lag, ça lag. Ah, on se croit sur Smash 4. Ah non, mec, c'est horrible. Au revoir, Link enfant, c'était sympa de te voir. Bon, par contre, il y a une bonne nouvelle, c'est que... Enfin, bonne nouvelle entre guillemets. C'est que pour le Smash A2, ça lag pas des masses, par contre pour le Smash A4, c'est horrible. Hmm. Des fois, t'as des lags. Normal, ça dépend vraiment de l'état des connexions de tout le monde. Bon. Ouais, franchement, ça dépend de celui qui host, surtout. Ouais. Bon, déjà, le Capoeira, je sais que lui, il me donne un truc anti-brouillard. Bon, c'est plutôt bien. Ça lag. Ah. C'est con. Ouais, il faut que je passe plus haut pour pouvoir aller déverrouiller un autre personnage. Alors, on va aller là. Ah, d'accord, je suis retourné ici, pas de problème. Alors, on va affronter Océane, tiens. On va switcher à la place de Bison. On va remettre notre 0. Ça lag. Alors, coup critique, attaque physique. On va mettre en plus. Oh, c'est bon, j'ai créé Mega Edge. Ok, il masse 40 secondes dans mon match. Enfin, du moins, si ça privilégie pas. Les attaques spéciales de côté. Ok, c'est qui ce. Cette espèce de mi qui porte les costumes de. Ah oui, c'est terrible. Mais c'est stylé, moi je trouve. Oui. Enfin, après, c'est mon avis, mais moi je trouve ça stylé perso. Non, cassez-vous avec cette foule. Inferno. Ah merde, non, je ne mourrai pas. Là, vol. Pas maintenant. Ah, loupé. Que ça. Ah putain, elle me fait mon grade avec Simon, il est quand même assez vieux, mais... Ça qui a la pêche de merde. Pour moi, quand même. Allez, dégage, quoi. Oh, mais non, mais... Le mec qui vient de se suicider, il s'est pris un item explosif dans la tronche. Allop, là, au revoir, Marie. Heureusement. Oh. Alors... Ah oui, d'ailleurs, il y a une chose à savoir. L'équipe le boomerang, c'est que dans le mode en ligne, le suicide, ça compte pas moins 1, mais moins 2. Hein. Ah oui, d'accord. Tu vois, le truc bien bien chiant. Et du coup, je crois que c'est grâce à ça qu'on a gagné, parce que le mec s'est suicidé. Je crois que le bouton... Ouais, là, ici, c'est déjà ouvert. Alors... Ah tiens, ici, il y a un coffre. Oh, il y a la grande sphère. Oh, putain. Alors, les attaques spéciales des adversaires sont renforcées. La jauge de final smash de l'adversaire se charge rapidement. Oh, putain, allez vous faire enculer. Crois-moi, la grande sphère, elle est sympa. Mais je te laisse découvrir pourquoi plus tard. Ouais. Pendant le combat. Attends, on va mettre Bison déjà. Et un truc. Alors, arène. Oh bah c'est tiens, parti. Vu qu'aujourd'hui ça se charge. Arène. Mega Edge. Ouais. Ils disent que sa charge entravée. J'utilise le Docteur Willy pour mettre le Smash final entravé comme ça. Vu qu'il dit que son final Smash se charge rapidement, ah bah moi je l'encule. Ouais, mais. Je ferai pas. Tu joues quoi? Tu joues ton main ou tu joues random? Non, moi, ouais, je joue Dr Mario. Non, non, Quentin, voir comment je m'habitue, si je prends mon main ou si je joue random. Main. Ok. Oh putain, hola. D'accord. C'est parti. Hop. Ah. Bon, le stage, j'ai mis random. UDF. Oh putain, elle est coriace, elle. Allez, une bataille de blond, c'est parti. Ah, pour ça. Ah, oh, merde, elle m'a niqué. Putain, bravo. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Putain, la grande fée, elle va être un peu casse-couille. Oh là là. En même temps, c'était pas ça que je voulais faire. Je voulais faire mon B du bas, moi.
Ouais, du coup je pars beaucoup me propre. C'est un peu casse coute ça. Parce que le B du bas de du Dr Mario il fait mal. Ah putain il m'a pas modifié ça mec. C'est incroyable. What? Ouais tu crois que tu. Je t'ai pas vu hein porter ça. Oh là. Récupération de points de vie de l'adversaire, tu fous de ma gueule. Putain, et d'où tu t'es régène, va te faire enculer, toi. Putain, bouffe les attaques tornades de... Oh putain, mec. Du Docteur Mario, eh, tu vois. Ah, moi aussi, je sais faire les tornades. Ah. Aïe. Oh putain. Tu voulais pas manger ma hache? La hache de Simon Belmont? Non. Ah putain, je peux même pas après. Ah putain. Oh merde. Putain, je suis mort. Oh putain, je suis pas mort. Ah non, c'est suicidaire. Allez, faut tenir bon. Voilà pourquoi je voulais pas le faire. C'était vraiment suicidaire, quoi. Ouais, c'est vrai. Ah t'as mis smash à 4 vies, j'avais pas. Non. Je vais toujours. D'habitude je me trouve. Non. Putain la salope. Putain, eh c'est pas loin, je sais. Elle peut être faisable. Putain, eh là ça commence déjà à être la galère. Qu'est-ce qu'il a ton chat, il miaule. Ah merde! J'ai oublié que tu peux frapper deux fois le coup. Ah merde, il revient. Ah putain! Hop. Qu'est-ce qu'il y a? À la fin. Non. J'ai faim, nourris-moi! Ne nourris pas, je vais être un câble. Ah, tu t'amuses bien? Ouais, ça va. Putain. Oh, mais vas-y, va te faire foutre. Putain, elle est chiante, là. Aïe. Oh, vas-y. Bon, ok, d'accord. Ok. Salut tout le monde. Oh, vas-y, explose. Oh, mais t'es pas drôle. Ah, putain, Zelda, je vais te faire chier. Viens là. Viens par là. Ah, je me dis que j'ai foiré mon final smash. Chier. Grave, j'en ai un deuxième. Tiens, en plein dans ta face. Et voilà, goodbye. Et ouais, voilà. Ça défonce tellement de boucliers. Alors, régénère beaucoup de santé quand vous êtes mal au point. Ah, elle est bien utile, la grande fée, n'empêche. C'est pour ça, justement, tu vois. C'est pour ça que c'est spirituel cool. J'avoue. Bon, dans les nids. J'ai Peach Mario, moi, qui fait ça, de base. Tiens, voilà. Ma hache dans ta gueule. La hache dans la gueule. Alors, non, mais là, je suis Simon, allez voir. Je vais faire un autre coffre. Clairement. Le main tank de Yoshi Hollywood. Tu veux venir avec moi ou pas? Je suis déjà avec Mega Edge, je l'ai nié. Wouah! Ok. Wouah! Je suicide. Alors, on a Expresso. L'autruche de Donkey Kong Country. Oh purée, par contre, le truc, c'est de la patinoire. La patinoire, à chaque fois quand j'y vais, je vais trop perdu. Voilà. Ah, bah, GG ça. Par contre, on me donne pas des bons spirits de défense, hein. Non, moi je veux reprendre. Ah, il veut pas monter ma hache. Ouais, non, par contre, on va se calmer. Hein. On va se calmer tout de suite. On va se. Tenter de ça. D'accord, le gosse. Mais j'avoue que t'empêche, la grande fée, ça pourrait être utile si jamais je dois affronter des spirits niveau 4, quoi. Sachant qu'en plus de ça, ça marche aussi en mode. Ça marche aussi en mode endurance. Et du coup, ça régénère ta vie. Ouais, oui. Ça c'est pas mal ça. Alors, inflige prendre gars initiation, mais augmente la vitesse. Ouais, de toute façon, tu sers pas à grand chose, hein, fuck you. C'était serré quand même. Ouais. Voilà. Tiens, et en même temps, pour nos chers téléspectateurs, hein, si jamais. Si vous voulez le savoir dans les commentaires quel est votre spirit préféré, bah vous pouvez le noter, tant qu'à faire. En train de filmer Madness. C'est maintenant tu le remarques, sachant que je fais en World of Light. Depuis tout sérieux, pourquoi tu préviens jamais?
Mais parce que c'est comme ça. Je l'ai déjà dit, je préviens jamais. Je pense que j'arrive dans une vidéo alors qu'on m'a pas prévenu, oulala. J'avais même pas remarqué, moi. Bravo, vous avez fait fuir, en fait le truc, le truc pour faire fuir Lenny, c'est genre je fais une vidéo, hop là, au revoir. En plus il m'a dit en privé est-ce que Madness il est en train de filmer, et moi je dis non, alors que je savais même pas que t'étais en train de filmer, donc... Ah d'accord. Et pourtant le truc c'est que j'ai prévenu Quentin avant que j'allais tourner, c'est ça le truc. J'ai grand amour. Je l'avais prévenu, quoi. J'ai prévenu. Après, je sais pas si t'as bien entendu. Si t'as bien entendu, mec. Oula. Par contre, ici, en fait, sur ce terrain, les mines, tu les vois pas. Tu les vois quasiment pas. Mais putain, mais. Ils ont fini avec tout ce qui est... C'est qui mâche ces boutons là? C'est moi, parce qu'à chaque fois, il y a des putains de... Il y a les putains de Galaga et les scarabées de merde qui cassent les couilles. Je sais pas, quand t'as mâché les boutons... T'as les... Oh là, putain! Les ennemis, vous êtes chiants. Tiens, dégage, quoi. Tiens, dégage. Putain, c'est cool, le combat d'handicapé. Allez, hop là. Un combat d'handicapé. Ah, putain. Ah merde, putain, je l'ai fait trop tôt, merde! Tu as bon, ça, une carapace bleue dans ta gueule. Toi, le mascasse, tu dégages une carapace verte. Oh putain, j'avais failli me prendre la carapace dans la gueule. Alors, attaque au point, ok. Pas vraiment très utile, oh, le mascasse, mais bon. Putain, y'a un fan dans le serveur là. Mm-hmm. Putain, y'a Oko là qui arrête de montrer ses dessins. Ouais, bah, il veut montrer que lui aussi c'est un artiste de dessin. Eh oui! C'est dommage, ça fait pas plus d'explosions. Alors, oui. Il y a la team Chaotix qui est là. Ah, je me casse! Alors, la team Chaotix, donc on va changer, on va remettre notre Shire 0. J'arrive. Sachant que tu vas pouvoir avoir un truc stylé. Enfin, avoir, entre guillemets. Bon, par contre, j'ai vu que la grande fée elle prend quand même 2 places. Bon, en même temps, normal parce que son effet est déjà assez pété. C'est comme Peach marié, quoi. Ouais. Oh ouais, d'accord, les adversaires seront invisibles. N'empêche, j'aime bien pour la team... C'est sur moi, gros con. C'est drôle pour la team Chaotix, dit putain, Espio c'est solide, Vector, bon, on sait que c'est King Karoul. Par contre, pour mettre Charmy en tant que Pichu, c'est pas logique. Merde, ah, yes. Bon, par contre, ils étaient nuls parce qu'à chaque fois, ils arrêtaient pas de péter leur shield, c'est con. Bon, après, ils sont niveau 1, donc ils sont un peu useless. Donc voilà. Attaque terroriste, point. Alors, ah, on déverrouille un peu le truc. Alors, le spirit. Oh, tiens, encore un Boko Blanc. Les Boko Blancs. Oh l'enculé! Je savais pas que c'est légal de faire ça! Ah bah là! Je savais pas que tu pouvais faire ça avec! Je t'ai cassé ton drone! Putain, je pensais pas que tu pouvais le faire! Moi je le savais, mais je pensais pas que j'allais te la toucher en fait! J'allais toucher le drone en fait! Par contre, tu arrêtes avec tes explosions! Eh, je fais ce que je veux, ok? Je vais tout faire péter, je vais tout faire péter! Vous en prendre avec tout ça la gueule, vous les Boko Blancs? Oh merde! Oh voilà. Moi je fais les attaques tornades du docteur qui font mal. Merde, je voulais le faire un spike, mais je me suis bidé. Voilà, là je lui ai fait un spike. Enfin, c'était pas un spike, je l'ai juste projeté carrément plus loin dans les airs, mais bon. Alors, ça augmente plus d'objets de frappe, mais bon, le Boko Blanc il sert pas à grand chose. En général, de toute façon, tout ce qui est une étoile, ça sert pas à grand chose. Pour les esprits primaires, bien sûr. Pour les esprits secondaires, après, ça dépend. Alors, il y a un tuyau ici. Non, mon drone, tu laisses mon drone. Alors, où est-ce que ça m'emmène ce tuyau? Oui, ah, d'accord, ça m'emmène ici. Par contre, tu te prends le metteur, par contre. Ah c'est bien gentil. Ah, hein. Ça fait mal. Voilà, Cougar Snake a gagné. Le Cougar Snake. Ouais. Hop là.
Ah, la fin de Météor, il était propre. Hein. Ah, d'accord, je pouvais pas passer par là. Non, ici, c'est Mario de pierre. Donc, c'est pour ça que le tuyau était. Le tuyau était là exprès. Moi, je fais quoi, on attend Flo ou. Alors, le truc, ouais. L'adversaire. J'ai compris que moi, je prends full random en fait. L'adversaire recouvert de métal. Oh, okay. Si je fais de la merde, c'est normal. Bon. Mewtwo, moi, ça, allez. C'est jouable. T'as compris. Ouais, je garde VID parce que VID, elle va me servir pour taper ceux qui ont des armures de métal. C'est pour ça qu'elle est utile, VID. Et pourquoi faut que Mario Rocher soit un putain de fucking rondou. Oh, parce que c'est une boule. Ouais, ah oui, c'est vrai que quand tu pètes le bouclier de rondoudou, le play il est mort instant. Mais il est insta-death, c'est un peu con, mais... Donc ça augmente les coups de poing, coups de pied, morsure. Ok... Bon bah il est mort, j'ai pas compris ce qu'il a fait, mais non. Depuis quand ça augmente... En fait, il a FK, là, je... Depuis quand ça augmente les morsures quand tu... Sur une bah ouais, mais pierre. S'il a FK toute la game, pas en plus, mais... Ah bah c'est bon. Alors... Et on ouvre, et on obtient des points d'esprit. Voilà. Ah merde, putain. Je pense pas un peu... Ah mais je voulais corriger un truc, je voulais corriger au prochain match. Parce que moi j'ai l'habitude de dire ouais, avec on va continuer un peu, on va affronter des congelots. Et pour ces congelots, on va reprendre, on va changer. Résistance au et à la glace, ça tape des points. Pas de soucis parce que vu qu'on sait que Mario lui c'est un spécialiste des coups de points. Donc voilà. Hop là. Ah c'est con, Vous avez fail vos congelots. Tiens, allez congeler. Ah, il passe à travers le feu de. Ok. Boum. Ouais. Il volait très haut. Bon, ça va. Le missile, il tente pas mal de trucs, le missile, étonnamment. Le missile, c'est Broly en fait. C'est incroyable. Non, mais moi, je vous regarde, je fais mi-temps, moi. Merde. Tu feras pas péter ta mine. Allez, voler très haut, mais messieurs. Désolé Quentin, mais ton C4 il fonctionne plus sur moi. Je suis immunisé maintenant. Hop là. Au revoir. Et c'est le vide. Je vais prendre un truc violent dans le cul. Et ça permet, le congelot permet de l'équiper. Ah merde. Merci Captain Obvious. Prends le buzz, le lance-roquette par contre. Le lance-roquette. Hop là. Là, il y a... En fait, tu m'as fait un coin pour spammer le ballon, c'est ça ? Akari Ayama, la série... Ah, c'est ça. Ton petit C4, il est genre bien, la série 1018. En mode, ta gueule. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, je l'ai collé. Le sol est très glissant, il est difficile de s'arrêter. Ah bah tiens, au revoir. Ok, bon, on va utiliser cette option-là. Ce qui sera plus pratique. Akari Ayama. Ça va, je suis en deux, là. Tranquille, Jules. La patinoire. D'accord. Ah, merde. Enfin, la patinoire, ça non. Va pas vraiment servir à grand chose parce que... Vu que j'ai un contre pour la patinoire, j'utilise des semelles spéciaux. Merde. Ouais, foncer sur l'adversaire et infliger des dégâts. Merde. Oh, merde. Au revoir, mes gars. Au revoir. Je me suis dit... Ah, merde. Bon, bah, au revoir, salut. Non, c'est pas encore la fin de la vidéo pour le moment. Aïe, pas gentil. Profitez de faire quelques spirits. Oh tiens, Absol. Mmh. Il s'est paumé Absol. Alors là-dedans, il dit... L'adversaire est équipé de les chevaux de la mort dès le début du combat. Ok. La fameuse faux de la mort. Qu'il faut pas se faire toucher si on a plus de 100% de dommages. Non mais ça me casse les couilles, du coup je confonds bouclier et saisie parce que du coup je saisis avec mes gâchettes normalement. Tiens bouffe. Hop là, tiens tu dégages. Merde. Ouh j'ai cru que j'allais me suicider comme un gros boulet. Bonjour Dialga. Alors Dialga, qu'est-ce que tu vas faire? Merde. Saute. Allez hop là. Au revoir, Absol. J'ai fait le spike et j'ai fait ouais. Oh mais quoi? Allez
d'accord. Je ne savais pas que t'avais placé le C4 ici. Ah d'accord, il donne rien en fait. Ah il était beau celui-là à la fin. Ah putain, il donne rien d'intéressant le Absol, hein, écoute. Mais alors, le Condor. Ouais. Juste l'exploser hein, pour en placer un autre. Et toi t'as pensé putain. Comme un con. Mais je savais pas qu'il y en avait un là, mec. Attends, faut que je change. Y a le... Ah par contre, il y a le sol qui est gelé. Ah il est pas, il était pas mal celui-là. Il faut changer de config parce que du coup. Moi aussi. Je vais faire prendre aléatoire, mais c'est juste que je vais faire en sorte de pouvoir grab avec mes. Ouais. Voilà, avec voilà, mon propre nom. Voilà, j'ai plus envie de jouer à la fin de C4. Ah oui, non, j'étais tellement inattendu. C'est ça le truc. Il y attendait tellement. Tu peux t'attendre à ce genre de truc avec mes. Ah ouais, mais. À tuer comme ça en mode inadvertance, je crois pas. Ouais, je me souvenais pas du C4 que t'avais placé là. Non, allez, vous vous dégagez, maintenant c'est autour du compte. Moi je prends aléatoire pour déconner un peu. Je vais me taper Rondoudou parce que voilà, ma vie c'est de la merde. Ah non, Pac-Man. Ah bah tu ah, merde, vas-y, c'est vrai. Ah, je me tape une boule quand même, hein. Oui, mais c'est Rondoudou jaune, écoute. Oui. C'est ça. C'est un Rondoudou jaune. Super. Reviens le Condor, putain, et le Condor il fait que fuir en fait. Ouah. Merci, maintenant j'ai la clé de chez moi. Bon bah au revoir. Une vie en moins. C'est la bouffe. Bouffe des pilules. T'aimes l'aime les pilules. Allez hop là, par derrière. Oh, par le Condor. Donc t'as fini le spam. Enfant de 8 ans. Ouais. Et il donne quoi? Accorde une certaine prise au vent. Ça sert à rien, sachant que j'ai un truc anti-vent qui s'appelle Latias et Latios. Comme d'habitude. Mange mes clés. Non, j'ai le chemin un est complètement gelé. Mieux vaut pas continuer ou vous risquez de glisser. Mais en fait, tu dois le faire. C'est le genre de risque, mais. Bon. Alors, oh tiens, un coffre. Qu'est-ce qu'il me donne? Break through the ice. Star Fox Assault. Une musique. Oh, attends, on va glisser quand même. Un ours polaire. Pas de soucis. Bon, on va se faire cet ours polaire et je pense que bah on va s'achever, on s'achèvera pour cette partie. Alors, on va mettre de la défense. Qu'est-ce qu'il demande? L'adversaire a une super protection, mais est ralenti. Un smash endurant, le sol tremble périodiquement. Ok, donc c'est pour ça que j'ai mis. J'ai bien fait de mettre Valou, parce que comme ça j'ai l'anti-chute, comme ça le tremblement d'air ne fera rien. Oh putain, il est gros! Il me l'a directement dégagé! Il a pas cherché à comprendre, il a fait. Toi ta gueule, ok. Ah non! Au revoir! Gros comme Lenny. Yes! Oh, arrête! Du coup, je crois pas que c'était le meilleur moment d'intervenir. Ah! J'ai eu mal. Non, même Sam disait ça. Non, en vidéo, je te rappelle. Mais bon. Pas grave, Lenny. Oh merde, vas-y, j'ai pas pu réussir à remonter. Putain, il m'a. Il m'a poussé dans le vide ce gros sac. Tu vois, je vais le calmer. Bah ouais. Bah écoute, tu sais. Putain, ce gros. C'est pas parce que t'es ce gros sac, il a réussi à bien me défoncer. Mais oh, tu t'es pris pour cul, lui. Tiens, regarde. Incendie. Ah, genre, c'était pas. Attends, c'est moi ou ça t'a chevauché le crâne? En mode. Oui, okay. Oui. ça caresse ma magnifique chevelure. L'enfant de 8 ans, c'est magnifique. Aïe! Putain, par contre, t'as toi qui m'a cassé les couilles. Au revoir. Aïe. C'est bien, on revient à égalité comme ça. Allez, tiens. Mais... Dégage, monsieur le. Je te bouffe, Flo, il est un peu en PLS. Le gros lard. Vous êtes capable de faire chier. Bah, on casse les aussi, coups et résiste aux éjections, mais ralentit le combattant. Ok. Donc, ça permet d'avoir une bonne grosse défense. Merci, voilà, je dis aussi, attends, ils sont où les grables? Au final, t'es très lent. Ouais. C'est ça, exactement. Ah, moi c'est pas vraiment mon genre d'être lent. Alors que je vois. Oh tiens, il y a le Metal Gear Ray qui est là, mais bon on verra ça dans la prochaine partie. Et en plus ça tombe bien, je vois qu'il y a le Greff Fox qui est juste là, donc et vu qu'on a Fox, ce sera parfait pour aller là-bas dans l'espace. On ira voir ça dans la prochaine partie. Mais avant toute chose, on va faire notre petit rituel habituel.
en fin de partie, on va d'abord sauvegarder pour affronter un personnage mystère. Tu vas affronter Felinferno. Non, je sais pas. Bah, de toute façon, c'est au hasard. On va voir. Ah, dommage. C'est pas Felinferno. Je crois que c'est... Ouais, c'est Meta Knight. Oui, c'est Meta Knight. Enfin, qui coupe le méta, on va dire. Hein. Meta Knight qui se fait flinguer de la méta. Hop là. En attente de joueurs. Ouais. Oh putain. Allez, ouais, par contre, pour choper Meta Knight, ça va être chaud pour, pour le défoncer. Parce que vu qu'il est rapide et tout... Allez vous faire. Je vois pas le problème. Perso, bordel. Tiens, ouf, je prends le perso le plus détesté de Smash 4. Qui va prendre Bayo? Vas-y. Ouais. Moi je prends random. Vol. Je préfère jouer random, c'est plus fun. Ouais, ok, nique ta mère. Ouais, ok, nique ta mère. Tiens, vol, voilà. C'est pas Meta Knight. Nique ta mère en fait. Hop là. Et Meta Knight fait son entrée, mais bon, on ne l'a pas, on le débloque en dehors de World of Light. Au moins, comme tu peux voir, t'as deux putes. T'as la genre. Oh putain, j'ai gagné. Celle qui a rien demandé et la vraie. J'en ai gagné 10 000 points d'esprit. Ça en fait des points d'esprit. Pouvoir de Montoad. En même temps, on en a besoin de points d'esprit pour pouvoir faire évoluer ses personnages. Ses esprits. Oui, ses esprits, surtout. Ouais. Tu fais évoluer tes persos. Ouais, les esprits des pères qu'on met à nos persos. Ouais, enfin bref, vous m'avez compris. Bon, bah je pense on va s'arrêter pour cette partie-là. Power ! En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, faites-le savoir avec un pouce bleu. Et abonnez-vous à la chaîne via... D'accord. Qui sera affiché par la banderole que vous verrez lors des 20 dernières secondes de la vidéo. Et puis aussi cliquez sur la cloche des notifications pour être averti des activités de la chaîne. J'avoue pas compris ce qui vient de se passer. Et moi aussi, vous pouvez faire partager la vidéo à vos amis et tout via les réseaux sociaux, sur Twitter et tout. Et puis enfin, si vous voulez revoir d'autres vidéos sur Super Smash Bros. Ultimate, le lien de la playlist est affiché en même temps devant votre écran avec la bande. Voilà. Bon, c'est avec ça que je vous dis à tous à bientôt pour la prochaine partie du Let's Play de Super Smash Bros. Ultimate, la lueur du monde. Salut à tous, ciao, bye bye.